Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la méthode 52 semaines pour faire une économie de 1378 euros à la fin de l'année. Alors, ça va varier suivant les personnes, le motif de mettre cet argent de côté, soit pour un achat, soit pour des vacances, tout simplement pour faire un fonds d'urgence. Voici quelques exemples que j'ai pu trouver sur Internet. Voici aussi mon bullet journal, mais je ne pense pas l'utiliser cette année vu que je souhaite faire la méthode zéro. Mais si cela peut aider quelqu'un à mettre un peu d'argent de côté sans que ça se voit trop dans le budget, c'est une super méthode. En quoi ça consiste? Eh bien, tout simplement, dans l'année, nous avons 52 semaines. 52 semaines qui correspondent, donc, on va pouvoir mettre le chiffre qui correspond à la semaine en épargne. Par exemple, la semaine 10, 10 euros. La semaine 24, 24 euros. Et ainsi de suite. Et à la semaine 52, on aura économisé 1378 euros. Alors, moi, ce que j'ai fait cette année, eh bien, quand il y a des mois où je pouvais me permettre de mettre un peu plus, eh bien, je le mettais dans ma cagnotte et j'allais simplement barrer cette somme dans mon tableau pour pouvoir justement essayer de garder les petites sommes à la fin de l'année pour pouvoir passer les fêtes tranquillement parce que c'est déjà un sacré budget. Donc voici la méthode 52 semaines qui va nous permettre tranquillement, sereinement, sans trop mettre en péril notre budget, d'économiser au bout de l'année 1378 euros. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.